Stéphane Lambiel, 26 ans, patineur professionnel, a autant d'humour que son homonyme. Je suis pas quelqu'un de drôle, vraiment pas, non. Ce qui n'empêche pas d'être bourré de qualité. Artiste dans l'âme, Stéphane a une voix de tête unique. Un pas de danse inégalable. C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secouent le bas des reins et font coin coin. Et un goût pour la déco sans précédent. Ce cadre-là, on n'aimait pas trop voir le clou. On a rajouté un petit patin, ça fait pas du tout kitsch. Et puis hop, on a rajouté des petits chiens. Contentionniste, Stéphane fait même des prouesses au lit. Ça dure finalement que... je sais pas, 3-4 secondes. Et du coup, tu te sens super mal à l'aise. T'as l'impression que ça dure une heure et ça durait que 3 secondes finalement. Et après l'effort, le réconfort. J'ai besoin d'un massage. Et oui, Stéphane est un gourmand. T'as la petite boîte de chocolat pour quand t'as un petit souci et puis que t'as besoin de réconfort. Pouf, pas trop de choc. Non mais je rêve. Vous l'aurez compris, notre patineur aime qu'on prenne soin de lui. Aujourd'hui, il a accepté d'inverser les rôles en endossant la tenue de coiffeur. Sa victime, une fan de la première heure, la tri de l'amour, Angela. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Concierge et collectionneuse de café avec sa copine Marie-Thérèse. 10 à 11 cafés par jour. Sur chaque emballage, un paquet de café. Il y a des points, avec tous les points pour avoir des vaisselles, tasses, horloges, plateaux. Moi j'en bois beaucoup, hein. Un kilo par semaine aussi. Les présentations faites, direction donc le salon de coiffure où Stéphane a l'air très confiant. Je vais essayer de faire un truc, quoi. Assez discuté, il est temps d'aller se cacher avant qu'Angela n'arrive. J'aimerais limiter les dégâts. Ouh. Alors on se calme, hein. Oh là là, quelle histoire. Je crois qu'elle est arrivée. Et au moment de la rencontre, Angela ne tient plus en place. Bonjour. Bonjour. Ah, Stéphane. Je suis votre coiffeur. Oh. Mais même sous l'émotion, elle ne perd pas son franc-parler. Pas trop court, hein. Pas trop court. On peut se rattraper après. Notre ménagère de plus de 50 ans est comme une groupie. J'ai dû arrêter l'entraînement. Pour moi, oh là là. Allez, étape numéro 1, un shampoing sensuel. Étape numéro 2, la coupe des pointes. Vous préférez que je coupe l'oreille, que je fasse oui, trop court oui, les voilà, cheveux. C'est ça. Sans oublier le séchage, cheveux au vent. Ça y est, le tour est joué. Angela est fan de sa nouvelle coiffure. Je me rejette dans la rue. Mais c'est ça. Oh, j'adore. Je vois que je vais aller même à la Migros. Là, je vais aller à la Migros. C'est que j'aille acheter quelque chose. Pour Stéphane, le défi est hautement relevé. N'est-ce pas, Marie-Thérèse? Super, super, super. Bravo, Gary.